avant de commencer, je voudrais remercier Mathilde, Kerry, Nicole, Joël, Damien et Carmen pour leur aide dans le processus. L'Église de Marnay pour m'avoir permis d'utiliser ce bel espace pour l'événement. Cécile pour avoir gentiment accepté de lire le texte en français. Joël, Linda, Wendy, Kerry, Damien et Carmen pour avoir généreusement partagé le rêve. Je tiens à remercier Paula et Adrien pour avoir emprunté le clavier ainsi que Linda et Wendy pour leur aide. Merci à vous tous d'être là. Pendant le spectacle, n'hésitez pas à changer votre place si vous ne le voyez pas. Et maintenant, le spectacle commence. Je me souviens venir ici quand j'étais enfant pour une chasse au trésor. Adolescente, j'ai eu une fascination pour les romans de Jeanne Bourin. Le génie des écrivains qui vous transporte et vous fait prendre vos rêves pour la réalité. L'inverse aussi. S'imaginer. Ces murs qui nous entourent nous rapprochent de cette époque où Abelard, non loin d'ici, dispensait son enseignement. À l'enseignement d'Abelard, je préfère celui d'Héloïse, l'une de ces femmes incroyables, sorcière, savante, amante, résistante. Faded laundry. Her bare silver arms tread downward to the river. From the trees, a gentle breeze plays softly through the reeds. A padded laundry maid washes faded laundry. The heavenly and sweet laundress, tying up her skirt by the branches softly caressed, hangs her linen of moonlight. A padded laundry maid. Pierrot Lunaire, dont le poème est de Albert Giraud, et la musique que vous avez entendue également d'Arnold Schoenberg en 1912.
taille blanche, ses bras d'argent hors de leurs manches, au fil chantant de la rivière. Les vents, à travers la clairière, soufflent dans leur flûte sans anche. Comme une pâle lavandière, elle lave ses failles blanches. La céleste et douce ouvrière, nouant sa jupe sur ses hanches, sous le baiser frôlant des branches, étend son linge de lumière. Comme une pâle lumière. Et voici la réponse subjective qu'en a fait Maria. L'image vivante d'une ouvrière esthétisée, mystifiée, qui au clair de lune fait sa lessive, elle se transforme en une métaphore de la lune qui nettoie assidûment les taches dessinées par la lumière du jour. L'équipe de nuit d'une de blanchisseuse fantomatique, dépeinte par le poète symboliste belge, Albert Giraud, met en parallèle, par une juxtaposition soignée, la fabrication de l'inconscient. Il associe une scène nocturne et lyrique à une action concrète. Une ouvrière, accomplissant sa corvée quotidienne, dans la pureté béate du clair de lune, un fantasme dans lequel la lune est anthropomorphisée et dotée du pouvoir de révéler les formes vraies, c'est-à-dire les formes que le poète désire rendre parfaitement lisibles. J'ai lu ce poème plusieurs fois jusqu'à ce qu'il devienne un étrange leitmotiv, rappelant ces éléments de notre inconscient qui surgissent de nulle part et hantent notre vie de rêve. Dans ce processus, deux motifs sous-jacents sont apparus. Voici le premier. Un désir de joindre l'expérience intérieure et subjective à la fois l'émotion et la projection à la réalité palpable, un paysage, un rayonnement électromagnétique visible à l'œil. Et enfin, un corps humain vivant vu par le poète qui, dans un jeu de reflets, se reconnaît dans la métaphore. En second, une échappatoire. Un moyen de sortir de l'évidence, c'est-à-dire de la réalité sociale, grossièrement matérialiste et unidimensionnelle, qui est disponible à travers la vision quotidienne et le bon sens. Claire de lune privilégie la perception poétique à un effacement positiviste des ambiguïtés. De la lumière du jour pour souligner l'éclat du rêve ininterrompu. Ce dernier, avec une pointe d'humour subtil, exalte un fantasme nocturne lucide. Ce qui apparaissait au début comme une simple évasion se transforme en un nouveau type de travail. Travail de rêveur, sans vergogne, et cela révèle une technique de synthèse qui trouve ses origines dans le fantasme, la psychose et même la politique. Une lune ouvrière déploie des efforts musculaires pour nettoyer l'image sale de la lumière du jour du monde moderne. Sur son chemin, elle suggère une évasion du piège de l'intelligence
Evocation. Mother of the Furies, rise upon the altar of my verses. The frenzied blade cuts your desiccated, shriveled breasts. Your painful wounds are like open red eyes. Mother of the Furies, rise upon the altar of my verses. Your long, emaciated hands offer a disbelieving universe your son. His limbs raw, his flesh rotted and hanging. Mother of the Furies. Pierrot, I hold back my laughter behind my feet. The bright image dissolves into Shakespearean mirage. From the mast of my ship, a black flag is hoisted. Pierrot, I droop my laughter behind my teeth. When will you give me back, healer of wounded souls, the snow blanketing the past, moon face,
my white lord, Pierrot, my laughter. Mes bras
énormes que les nuages d'une pluie régulière de campagne. Sauf qu'ils étaient précipités. Je ne sais pas pourquoi ils essayaient d'écraser ma pauvre tête. Il n'était pas plus gros qu'un œuf de fourmi, mais légèrement endommagé, et par conséquent n'était plus tout à fait rond. J'ai fait quelques mouvements implorants et tordus. Car l'expression de mes yeux n'aurait pas pu s'en apercevoir. Ils étaient si petits. Et mes jambes impassibles, reposaient sur les montagnes boisées et donnaient le long aux vallées parsemées de villages. Voici maintenant des rêves qui ont été enregistrés et analysés par la journaliste Charlotte Berardt pendant la Seconde Guerre mondiale. Le rêve du fabricant ou le bras levé, 1933. Goebbels visitait mon usine. Il a demandé à tous les ouvriers de s'aligner sur deux rangées, face à face. Je devais me tenir au milieu et lever le bras pour faire le salut nazi. Il m'a fallu une demi-heure pour lever le bras. Centimètre par centimètre. Goebbels n'a montré ni approbation ni désapprobation. En regardant ma lutte comme s'il s'agissait d'une pièce de théâtre. Lorsque j'ai enfin réussi à lever mon bras, il n'a dit que cinq mots. Je ne veux pas votre salut. Puis il s'est retourné et a pris la porte. Je me trouvais là, dans ma propre usine, le bras levé, cloué au pilori, au milieu de mes concitoyens. Je n'ai pu m'empêcher de m'effondrer en regardant son pied beau quand il est parti en battant. Par Hitler. Ce rêve est si précis
qu'il incarne même les deux types d'aliénation. L'aliénation par rapport à l'environnement, l'aliénation par rapport à soi-même. Ils sont souvent assimilés ou confondus l'une à l'autre. Le rêve du docteur ou l'abolition des murs, 1934. En 1934, après avoir vécu un an sous le Troisième Reich, un médecin de 45 ans fait le rêve suivant. Il était environ 9h du soir. Mes consultations étaient terminées et j'étais en train de m'allonger sur le canapé pour me détendre avec un livre sur Matthias Brunewald. Quand soudain, les murs de ma chambre, puis de mon appartement, ont disparu. Je regardais autour de moi et j'ai découvert avec horreur. Il n'y avait plus de mur dans l'appartement. J'ai alors entendu un haut-parleur sonner. Selon le décret 17 de ce mois sur l'abolition des murs, le médecin était tellement perturbé par son rêve qu'il a écrit de lui-même le lendemain matin. Ensuite, il arrivait qu'on l'accusait d'avoir écrit des rêves. Le rêve d'une femme ou à l'opéra, 1933. J'étais assise dans une loge à l'opéra, vêtue d'une robe nouvelle, et mes cheveux étaient magnifiquement coiffés. C'était un immense opéra, avec beaucoup, beaucoup de gradins. Et il jouissait d'une admiration considérable. On y présentait mon opéra préféré, la flûte enchantée. Au moment de la réplique, c'est certainement le diable, une escouade de policiers d'entrée en trompe essaie directement d'approcher de moi. Une machine avait enregistré le fait que j'avais pensé à Hitler en entendant le mot « diable ». J'ai cherché dans la foule en fait un signe d'aide. Ils sont tous restés assis à regarder droit devant eux, en silence et sans expression. Aucun ne montra même de pitié. Le vieux monsieur qui se trouvait dans une loge voisine avait l'air gentil et distingué. Mais lorsque j'ai essayé de croiser son regard, il m'a craché dessus. Comme le fabricant, cette femme était consciente de l'utilisation politique de l'humiliation publique. Un philologue juif allemand de Dresde a tenu un jour.
vocation pour un sujet a toujours recommencé, à persister malgré tout ce qui tout autour s'y oppose. C'est ce que Spinoza, dans l'éthique, nommait, sur un plan biographique, le conatus, à savoir la faculté même du désirer, l'effort tendu de la vie même, peut-être aussi ce qu'il nomme, sur un plan plus proprement éthique, la stèse, à savoir cet affect d'espérance définie comme une joie constante, in constans laetitia, mais de l'image ex machina d'une chose future ou passée. Klemperer n'avait certainement rien d'un optimiste de nature, mais une grande part de sa puissance, de son endurance, de sa faculté de résistance, de sa vertu politique même, il est venu de la possibilité éthique qu'il lui fallait à chaque fois, coûte que coûte, ouvrir dans l'espace du malheur. Et cela passait par une joie arrachée au désespoir, une joie inconstante, certes. Cela passait par sa faculté d'imagination et par une extrême sensibilité au temps, façon d'anticiper, de savoir attendre la transformation des états de fait apparemment les plus inamovibles. La grande force de Klemperer fut ainsi de s'obliger à voir que les choses peuvent devenir. Après la semaine éprouvante passée dans la prison de Brest, Klemperer écrira « Le bon côté de cette semaine de souffrance a peut-être été le fait que nous avons à nouveau pris conscience de notre union, de notre bonheur, de l'insignifiance absolue de toute chose en dehors de notre vie commune. » Cette toile représente mon rêve, un rêve douloureux. Peindre, c'est hurler son rêve douloureux en silence. Joël Descartes. Thank you.
One morning, several years ago, right before waking up, this was my dream. I saw a group of women stuffed into what looked like a sheet cubby. There was a woman in each one. They were scrunched up, with their knees folded tightly up against their chest, and all of their faces were turned out, looking at me. They all looked exactly the same, all with the same expression, which appeared to indicate disbelief. In my dream, I thought they were jockeys, and that this was the way they slept. They had practiced working on their horses. At about this time in my life, most of my artwork had been about my own process of breaking away from the expectations of a woman's role in a 30-year marriage and unraveling my own personal history. This dream image has pervaded my work for about 3 years. The women do not have any arms. And they are naked. And yet, they are still acting out their roles in life. And due to the lack of their arms, they are finding a way to complete their task with what they have to work with. A role that I feel that women play quite often in life. At times, due to cultural expectations, and at times due to their own personal histories. Et voici le rêve de Linda. Un matin, il y a plusieurs années, juste avant de me réveiller, je fais ce rêve. J'ai vu un groupe de femmes entassées dans ce qui ressemblait à un casier à chaussures. Il y avait une femme dans chaque boîte, elles étaient recroquevillées. Leurs genoux étaient repliés contre leur poitrine et tout leur visage était tourné vers moi. Elles se ressemblaient toutes avec la même expression qui semblait indiquer l'incrédulité. Position sur le cheval en dormant de cette manière. À cette époque de ma vie, la plupart de mes œuvres d'art portaient sur mon propre processus de rupture avec les attentes liées au rôle d'une femme dans un mariage de 30 ans et sur l'élucidation de ma propre histoire personnelle. Cette image de rêve a imprégné mon travail au cours des 3 dernières années. Les femmes n'ont pas de bras, elles sont nues et jouent encore leur rôle dans la vie. Et comme elles n'ont pas de bras, elles trouvent un moyen d'accomplir leurs tâches avec ce qu'elles ont à leur disposition. Un rôle que les femmes jouent souvent dans la vie, parfois en raison d'attentes culturelles, parfois en raison de leur propre histoire. August 22nd, 2022. Helvald, Latvia. My mother told me
that my father is at my grandfather's place. But the scene I saw was like from a long time ago. There was a sense of being careful.2022年1月13日，今天早上梦见他了，可能是他，也可能不是。我有一个相机，没地方放，他就把它放到他包里，有一个夹层，正好能装下，同时好像。